Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie. Question d'actu s'intéresse ce soir à l'actualité internationale pour parler des derniers développements de la question du Sahara occidental. Pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir de recevoir ce soir monsieur Mohamed Salem Ouldselk, ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique. Nous parlerons bien évidemment des derniers développements, notamment les résultats du dernier sommet de l'Union africaine concernant la question sahraoui. Nous aurons également par téléphone M. Pierre Galland, qui est président du mouvement international de solidarité avec le peuple sahraoui, M. Jean-Paul Lecoq, qui est député à l'Assemblée nationale française, et M. Esteban Silva, qui est ancien sénateur chilien. Monsieur Mohamed Salem Ouldselk, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci. Alors, l'année 2017 a été marquée par un fait inédit. La RASD a signé ou a siégé aux côtés du Maroc au sein de l'Union africaine. Le 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenu à Addis Abeba du 28 au 19 janvier 2018, vient de confirmer l'engagement de l'Afrique en faveur de pourparlers directs et sérieux permettant l'organisation du référendum d'autodétermination du peuple sahraoui, bien sûr, conformément aux résolutions pertinentes de l'Union africaine et de l'ONU. Cela s'ajoute à l'appui de l'Union africaine à la demande du Conseil de paix et de sécurité de permettre à la mission d'observation africaine de revenir à Laayoune. Alors, Monsieur Salem Ouldselk, d'abord, quel bilan faites-vous de la diplomatie sahraouie sur le plan international de manière générale et sur le plan africain plus particulièrement, notamment et surtout au sein de l'Union africaine? Bonsoir à toutes et à tous. Pour faire un bilan de l'action diplomatique sahraouie sur la scène internationale, il faut dire que pendant maintenant pratiquement 45 ans, que le peuple sahraoui a déclenché une lutte de libération nationale contre l'occupant espagnol. Malheureusement, ce combat du peuple sahraoui est entravé par une agression après le départ de l'Espagne, quand le Front Polisario et le peuple sahraoui a libéré la quasi-totalité du territoire. Le peuple sahraoui s'est vu confronté à une agression de la part du Maroc. Et en 1975, la Mauritanie d'Ouldadda, sous la pression de la France et justement du Maroc, a emprunté le pas à l'agression marocaine. Il s'agit d'un conflit de décolonisation qui n'a pas été achevé, un processus de décolonisation entravé par le Maroc. La communauté internationale, jusqu'à maintenant, ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur notre pays. La Cour internationale de justice en 1975 et tout dernièrement la Cour européenne de justice ne reconnaît pas la souveraineté, ne reconnaissent pas les deux, la souveraineté du Maroc sur notre pays. Les organisations internationales, aussi bien les Nations Unies, le mouvement des pays non alliés, l'Union africaine et toutes les instances internationales et les ensembles, les groupements politiques tels l'international socialiste, l'international libéral, les gouvernements et les parlements du monde ne reconnaissent pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La République arabe sahraoui démocratique, aujourd'hui, entretient des relations avec plus de 80 pays à travers le monde. Le conflit continue quand même parce que le Maroc s'entête dans une entreprise coloniale. Après 16 années de guerre, nous avons signé un accord avec le Maroc sous les auspices de l'OIA et des Nations Unies qui prévoit l'organisation d'un référendum. Ce référendum se trouve bloqué jusqu'à maintenant par le Maroc. Les Nations Unies, l'action des Nations Unies se trouve entravée de l'intérieur du Conseil de sécurité par la position d'un pays membre permanent, à savoir la France, qui malheureusement empêche jusqu'à maintenant la tenue du référendum. Pour faire le bilan de tout cela, il faut dire que d'un côté,
les droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance sont reconnus unanimement par la communauté internationale. Les organisations internationales, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et les ensembles régionaux, gouvernementaux et autres ne reconnaissent pas la souveraineté du Maroc sur notre pays. Il y a un plan de règlement qui reste appliqué sur le terrain. Il y a une mission des Nations Unies, la MINURSO, qui a comme mandat l'organisation de ce référendum. Et nous sommes là. C'est-à-dire que le Maroc occupe notre pays, une partie importante de notre territoire. Les Nations Unies continuent à déployer des efforts. Le nouveau secrétaire général, M. Antonio Guterres, a nommé l'ancien président allemand, M. Kohler, pour essayer de contourner les difficultés actuelles pour que la paix intervienne sur la base de l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination. L'Union africaine vient de faire appel aux deux pays membres. Mmh. Comme vous l'avez bien dit, le Maroc est devenu, depuis une année, membre de l'Union africaine, après 33 années de boycott de l'OIA et de l'Union africaine. Le Maroc s'est vite obligé donc de revenir et de demander l'adhésion à l'Union africaine. L'Union africaine, donc, lors du dernier sommet, vient de prendre une décision historique, appelant les deux pays membres, la République sahraoui et le Maroc, d'entamer des négociations directes pour mettre fin à leur conflit par l'organisation du référendum ou par un accord entre les deux pays, car l'Union africaine et l'unité, l'idée de l'unité africaine, la philosophie africaine est basée sur deux principes cardinaux, à savoir l'intangibilité des frontières. Dans l'acte constitutif actuel de l'Union africaine, il est dit que les pays membres doivent respecter les frontières existantes à l'indépendance. Le Maroc, donc, est appelé à respecter ses propres frontières, les frontières internationalement reconnues du Maroc. Et il est nécessaire pour que l'Union africaine conjugue ses efforts aujourd'hui avec les Nations Unies pour permettre la paix, pour permettre une paix durable entre les deux pays membres de l'Union africaine. Alors, chaque année apporte son lot de nouveautés auxquelles la République arabe sahraoui démocratique doit s'adapter. L'an dernier, vous l'avez bien dit, c'était l'adhésion du Maroc à l'Union africaine après avoir quitté plusieurs années auparavant l'Organisation d'unité africaine. Alors, cette année, c'est l'élection du Maroc en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. D'abord, comment voyez-vous ce fait comment la RASD va s'adapter donc à cette nouvelle donne au sein de l'Union africaine? Ben, c'est un exercice absolument normal. Le Maroc étant membre de l'Union africaine, il peut bel et bien être membre de tous les organes de l'Union. Le Maroc s'est présenté seul parce que deux pays d'Afrique du Nord se sont retirés, à savoir la Tunisie et l'Algérie. L'Algérie a présenté une candidature pour l'année 2019 pour un mandat de 3 ans. Ce mandat du Maroc va durer 2 ans, cette année et l'année prochaine. Le Maroc se trouvera, étant donné le fait qu'il occupe une partie du territoire de la République arabe sahraoui démocratique, devant un tribunal. Nous n'avons pas d'inconvénient que le Maroc siège comme il siège, qui peut le plus, peut le moins. S'il siège à l'Union africaine, il peut siéger au Conseil d'un organe qui dépend de l'Union africaine. Mais ne pensez-vous pas, permettez-moi de vous interrompre, que l'élection du Maroc en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité s'inscrit en porte-à-faux avec la doctrine de l'Union africaine qui est contre l'occupation illégale d'un territoire autre, d'autant plus que c'est un territoire africain? Oui, mais le plus important est que, dès le moment que le dossier du Sahara occidental se trouve sur la table du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le moment de la discussion du dossier ou de la question du conflit entre la RASD et le Maroc ne peut pas siéger au sein du Conseil de paix et de sécurité. Il n'a pas ni vote ni voix sur la question quand il s'agit, parce qu'il ne peut pas être juge et parti. Et sur cette question, l'Union africaine est très claire et la position prise par le sommet est la base donc de la solution.
dès le moment que l'Union africaine, le sommet, vient de décider que, un, il faut qu'il y ait négociation entre les deux pays membres de l'Union. Deux, l'un des principaux fondements de l'Union africaine, c'est justement le fait que le Maroc a signé et ratifié l'acte constitutif. L'un des principaux principes de l'Union africaine, c'est le fait de respecter les frontières héritées de l'époque coloniale, le fait de respecter les frontières existantes. Le Maroc, devant le Conseil de paix et devant l'action vis-à-vis de l'action de l'Union africaine, doit répondre au forfait et la violation d'un principe fondamental de l'acte constitutif. Il est clair que le Maroc va se trouver dans une situation difficile dès le moment que l'Union africaine ne peut pas permettre l'occupation d'un de ses membres, du territoire de l'un de ses membres, et le Maroc doit maintenant répondre à cet appel de l'Union africaine, à des négociations entre les deux pays membres. Si le Maroc ne respecte pas cet appel, il s'agit de voir quelle est l'attitude que l'Union africaine et les Nations unies vont entreprendre pour... Et quelles sont les options justement que vous allez demander au sein du Conseil de sécurité de l'Union africaine? Pardon? Quelles sont les options que vous allez demander au sein... Nous espérons que le Maroc respecte ses propres engagements. Il a bel et bien signé et ratifié l'acte constitutif. Mmh. Il y a aussi la décision qui vient de prendre le sommet, qui demande la négociation pour mettre fin à ce conflit et pour que le Maroc mette fin à son occupation, qui va à l'encontre de tous les principes et de toutes les décisions de l'Union africaine. Si le Maroc ne respecte pas ses propres engagements, la République sahraoui a le droit de demander l'intervention de l'Union africaine parce que l'acte constitutif, justement, donne droit à tous les États devant une agression étrangère de demander l'intervention de l'organisation. Le Maroc persiste dans son entêtement, dans son intransigeance contre la légalité africaine et contre les décisions de l'Union et contre les principes fondamentaux de l'acte constitutif, c'est un problème qui va se poser sur la table du sommet et sur la table justement du Conseil de paix et de sécurité. Nous allons demander le soutien de l'organisation pour que le Maroc retire ses troupes d'occupation, faute de voir respecter les engagements souscrits avec la partie sahraoui sous les auspices de l'OIA et des Nations Unies préconisant l'organisation des référendums. Et vous confirmez donc que la balle actuellement est dans le camp marocain, d'autant plus que vous êtes prêt à siéger autour de la table de négociation comme le préconise l'Union africaine. Absolument. Nous sommes disposés à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine pour que ce conflit qui a trop duré trouve sa solution définitive, durable, qui ne peut être que la satisfaction des droits nationaux du peuple sahraoui, des droits inaliables reconnus par toute la communauté internationale. Dans des déclarations précédentes, on a souvent entendu dire le président sahraoui que, concernant toujours ce blocage, que toutes les options sont ouvertes. Est-ce que c'est toujours confirmé, cette option? C'est toujours confirmé. Nous avons donné le temps au temps. Nous avons essayé de coopérer d'une manière sincère et honnête avec les Nations Unies et avec l'organisation de l'unité africaine à l'époque, pour qu'il y ait la paix. C'est pour cette raison que nous avons accepté un cessez-le-feu en contrepartie de l'organisation du référendum. Le roi Hassan II a signé un accord avec le Front Polisario parce que il a constaté que militairement le Maroc ne peut pas venir à bout de la résistance et de la volonté du peuple, la volonté indépendantiste du peuple sahraoui. Le peuple sahraoui n'était jamais parti du Maroc, comme l'a confirmé la Cour internationale de justice. Le Maroc se trouvait aussi sur la scène internationale isolée. Le roi Hassan II a décidé de faire la paix. C'est quelqu'un qui a fait la guerre. Il était un partenaire pour la paix. Malheureusement, son fils a voulu se dissocier, a voulu nier les accords
signé par le Maroc avec la partie sahraoui. Nous espérons qu'après 18 années de gouvernement de Mohamed VI, qu'il arrive à la conclusion, après aussi 33 années d'absence de l'Afrique et après le départ du Maroc en 1983, il est clair aujourd'hui que l'attitude de l'Union africaine n'a pas changé, au contraire. L'Afrique vient de dire lors de ce dernier sommet au roi du Maroc et au gouvernement marocain qu'il faut qu'il y ait la paix et qu'il faut qu'il respecte les engagements pris et surtout les principes sur lesquels le Maroc a signé et ratifié, à savoir le principe de la non-utilisation de la force contre les pays membres de l'Union, le respect des frontières héritées à l'indépendance et le droit de tous les peuples à l'indépendance et à l'autodétermination. Le Maroc donc viole tous les principes et les engagements qu'il a pris. La balle est dans le camp marocain. Nous espérons que la paix prévale et que la sagesse prévale. Mais si le Maroc s'entête, nous allons continuer notre combat, aujourd'hui pacifique, dans les zones occupées. Les Sahraouis souffrent sous l'occupation. Il y a des violations systématiques des droits de l'homme, des tribunaux uniques, même militaires, contre les défenseurs des droits de l'homme. Le peuple sahraoui dans toutes les villes occupées, le sud du Maroc et les universités marocaines, est bastonné. Les disparus par centaines. Donc il y a une situation anormale et que la communauté internationale doit assumer ses responsabilités pour que le Maroc respecte ses frontières et que le Maroc respecte la légalité internationale dans ce conflit. Et parmi les décisions très importantes du 30e sommet d'Addis Abeba, c'est que la conférence demande au Maroc, en tant qu'État membre, de permettre à la mission d'observation de l'Union africaine de retourner à l'Aïon au Sahara occidental et de permettre également un suivi indépendant des droits de l'homme dans le territoire. Effectivement, le Maroc a expulsé la composante civile et administrative de la MINURSO qui symbolise que la mission de la MINURSO est l'organisation du référendum. Parmi la composante civile de la MINURSO, il y a les observateurs de l'Union africaine qui se trouvent toujours en dehors du territoire. Donc le sommet, pour démontrer la volonté des chefs d'État africains à coopérer avec les Nations Unies et à mener la mission qui est la leur, la mission de l'Union africaine et des Nations Unies, c'est parachever la décolonisation d'un territoire qui se trouve aujourd'hui confronté à une agression étrangère. Le Maroc est un occupant. Il n'est pas la puissance administrante. Son statut était déterminé par les Nations Unies dans sa résolution de 1979 et 1980 en qualifiant le Maroc comme étant un pays étranger et une occupation étrangère. Par conséquent, l'Union africaine, lors de ce sommet, a décidé le retour des observateurs africains au sein de la MINURSO pour que justement cette mission conjointe, parce que le processus de paix a été initié par l'OUA et les Nations Unies a pris à l'unanimité une décision, la décision 104 des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine de 1983. Et cette décision africaine est devenue la base de ce processus de paix entamé par les Nations Unies. Aujourd'hui, la mission est une mission conjointe. Si même, combien même la présence de l'Union africaine est symbolisée par un groupe restreint d'observateurs africains, mais l'action était une action conjointe de l'OUA et des Nations Unies. Aujourd'hui, l'Union africaine tient à que, après ce retard dans l'organisation des référendums, ce retard dans l'agenda, l'Union africaine ne veut plus attendre, il veut assumer ses responsabilités parce qu'elle est la garante avec les Nations Unies de ce processus de paix qui doit se terminer avec la satisfaction des droits du peuple sahraoui à l'autonomisation et à l'indépendance.
Aujourd'hui, vous avez appelé, ou le gouvernement sahraoui a appelé le Maroc à contribuer au resserrement des rangs des Africains. Est-ce que cela sous-entend que vous considérez que la politique marocaine au sein de l'UA menace l'Union africaine? Effectivement, la présence continue de l'occupation marocaine dans les territoires d'un pays membre de l'Union africaine met en cause les fondements même, comme je l'ai dit auparavant, de l'unité africaine. La vision africaine, la raison d'être de l'OIA et aujourd'hui de l'Union africaine, c'est parachever l'indépendance du continent, la liberté des peuples africains, la lutte contre le colonialisme, l'apartheid et les vestiges du colonialisme restent toujours une tâche et une mission de l'Union africaine. Les Africains ne peuvent pas permettre qu'un pays africain se transforme en colonisateur d'un autre pays africain. Et surtout, la mise en cause des fondements. Si on joue avec le feu, on met en cause les frontières des États africains, il s'agit d'une menace sérieuse pour la stabilité de toute l'Afrique. Le Maroc, d'un côté, il opprime un peuple africain, il met en cause les frontières de ses voisins, il inonde la région africaine d'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord par la drogue. Le Maroc constitue, et sa politique constitue une déstabilisation du continent. Les Africains sont très sensibles à cette manœuvre et cette politique de déstabilisation du Maroc. Ils ne se laisseront pas faire. La preuve, les décisions du sommet. Qui sont historiques. Autre nouveauté dans le dossier du Sahara occidental, il vient malheureusement de la Commission européenne qui négocie avec Rabat un nouvel accord commercial qui intègre les produits du Sahara occidental. Pourtant, la décision de la Cour de justice européenne est très claire. Oui, la Cour européenne a confirmé le verdict et l'avis consultatif de la CIJ, la Cour internationale de justice de 1975. Cet arrêt de la Cour européenne de décembre 2016 prévoit que, d'un côté, l'Union européenne dans son ensemble et ses États membres ne reconnaissent pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, que le Sahara occidental est un territoire séparé et distinct du territoire marocain, et que toutes les conventions ou accords avec le Maroc ne doivent pas contenir des produits ou toucher le territoire du Sahara occidental. La France et un peu l'Espagne essayent de contourner la décision de la justice européenne. Cette politique française est aujourd'hui contestée par beaucoup de pays européens. Et nous considérons, nous, le gouvernement sahraoui, que l'Union européenne se trouve dans un examen démocratique très, 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 très important. Est-ce que des États démocratiques, comme les États européens, peuvent permettre à un pays membre de l'Union de violer carrément la décision de la justice européenne en s'alignant sur l'agresseur marocain? Justement, on passe la parole à Monsieur Jean-Paul Lecoq, qui est en ligne avec nous depuis la France. Vous êtes, je rappelle, député à l'Assemblée nationale française. Donc, Monsieur Lecoq, d'abord, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de m'accueillir sur vos antennes. On parlait un peu de cette décision de la Commission européenne qui s'inscrit en porte-à-faux avec la décision de la Cour de justice européenne. Et Monsieur Salem Ouldesselek parlait du rôle de la France dans cette décision. Qu'en pensez-vous? D'abord, je voudrais saluer Monsieur le ministre, parce que ça me fait plaisir d'être dans la même émission que lui. Et puis rappeler aussi tout mon soutien à la cause du peuple sahraoui, et puis saluer aussi vos téléspectateurs. D'abord, il y a un événement important, c'est la décision de la Cour de justice européenne. Et cet événement-là porte haut
la défense et le droit du peuple sahraoui à disposer de ses richesses et à disposer de son sol et de ses richesses halieutiques. Maintenant, il y a la question de la Commission. Alors, vous savez que la Commission européenne, elle est élue par personne. Des commissaires sont désignés par des États, mais moi, je la considère peu représentative des peuples européens. Son attitude, en réaction à la décision de la Cour, me semble incorrecte, inacceptable, inadmissible, et j'espère que la Commission ne sera pas suivie par le Conseil des États, les différents conseils des ministres à différents niveaux, et le Conseil des présidents et des chefs d'État. Parce que si tel n'était pas le cas, il y aurait un déni de justice au cœur de l'Europe, autour de cette situation, et ça me paraît être une remise en cause aussi des fondements. J'entendais dans l'émission parler des fondements de l'Afrique et de l'Union africaine, et ben voilà, les fondements de l'Europe, c'est notamment le respect des décisions de justice de la Cour européenne. Mais d'après vous, est-ce que la classe politique européenne, d'une manière générale, et française aussi, ont un rôle à jouer pour changer cette donne, monsieur Lecoq? La classe politique européenne a évidemment un rôle à jouer. D'abord, il faut qu'elle laisse les Africains. Moi, je pars toujours du principe qu'il faut laisser les Africains régler les affaires africaines. Sauf que la France s'est immiscée dans les affaires africaines par son positionnement à l'égard du Maroc, du Royaume du Maroc, son positionnement au niveau de l'ONU depuis le début et du conflit, et ensuite dans le cadre de l'application du plan de paix et des résolutions de l'ONU, on voit bien que la France joue un rôle particulier. J'espère que les autres États européens sauront collectivement et s'appuyer sur la décision de justice de la Cour européenne pour dire à la France qu'il faut qu'elle lève le pied, si vous me permettez l'expression, de manière à ce que les règles internationales puissent s'appliquer partout. Et moi, je suis un défenseur de la paix dans le monde, et je sais qu'il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas respect des règles et s'il n'y a pas respect de la justice, parce que les guerres, elles se développent sur les injustices. Et donc, il faut agir. Après, il y a la décision de justice, et puis il y a l'application des décisions de justice, c'est-à-dire, entre guillemets, le pouvoir de police que les États vont avoir. Et moi, je vois bien dans mon pays, et notamment quand les militants accueillent des navires dans nos ports, des navires qui viennent des Laayoune, qui amènent des huiles, etc., on voit bien qu'il n'y a pas forcément une mobilisation générale des services de douane, etc., pour aller vérifier les cargaisons, pour aller interpeller, etc. Donc il va y avoir encore de l'engagement militant à avoir et des informations à transmettre, de manière à ce que si les États ne sont pas en capacité de manière volontaire ou en y mettant de l'énergie de faire respecter les décisions de la Cour européenne de justice, et bien que les peuples, à travers leurs associations, à travers leur engagement militant, soient eux en mesure de faire respecter et imposent à nos États, et en ce qui me concerne, imposent à la France, le fait de respecter les décisions de justice européenne. Monsieur Jean-Paul Lecoq, je rappelle, vous êtes député à l'Assemblée nationale française. Merci donc pour cette intervention. Je ne sais pas si on peut avoir Pierre Galland pour l'instant, qui est, je rappelle, président du mouvement international de solidarité avec le peuple sahraoui. Je ne sais pas ce qu'on a à l'antenne ou pas encore. Alors, Pierre Galland, bonsoir. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie, donc autour d'un dossier auquel vous avez longuement milité, le dossier du Sahara occidental. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Donc, Monsieur Galland, la conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui, le Coco, avait déjà mis en garde la Commission européenne contre toute manœuvre visant à contourner l'arrêt de la Cour européenne de justice. Que compte faire le Coco devant ce dépassement? J'ai un petit problème, c'est que je vous entends très mal. Alors, si vous voulez, je parle un peu plus fort. Si vous voulez, je répète ma question. Oui, dites-moi. Donc, le Coco avait déjà mis en garde la Commission européenne contre toute manœuvre visant à contourner l'arrêt de la Cour européenne de justice. Et je vous demande, que compte faire le Coco devant ce dépassement? Oui, écoutez, c'est clair que dès l'instant où le tribunal, en décembre 2016, a pris son premier arrêté
définissant clairement que le Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc et que le Sahara occidental ne fait pas partie des accords entre l'Union européenne et le Maroc, il est clair que nous avons assisté à une manœuvre de contournement de l'accord et que tout ce qui a été tenté par la Commission, c'est de savoir comment finalement contourner l'accord et aboutir à maintenir le statu quo dans les rapports qu'elle entretient avec le Maroc, puissance occupante du Sahara occidental. C'est d'ailleurs ce que vient de dire l'avocat général. Le 8 janvier dernier, il a donné un avis par rapport à une autre démarche qui avait été entreprise par un comité de solidarité britannique qui interpellait un juge britannique et demandait à ce juge si effectivement l'Angleterre n'était pas en tort lorsqu'elle considérait que le Sahara occidental participait de l'entité marocaine. Et ce juge s'est adressé à la Cour et la Cour a, enfin la Cour n'a pas encore dit, mais l'avocat général de la Cour a encore précisé plus clairement que non seulement le Sahara occidental n'appartient pas au Maroc, mais qu'en plus, le Maroc est puissance occupante. Et donc, aujourd'hui, la Commission, elle se trouve devant une contradiction absolue. C'est qu'elle ne peut pas s'entêter à poursuivre ces accords comme si de rien n'était. C'est ce qu'elle tente de faire sous la pression de l'Espagne, sous la pression de la France, des conseillers de la France, des conseillers de l'Espagne, qui apportent de l'eau au moulin à, au fond, essayons de faire comme si de rien n'était. Et je pense que, justement, il appartient non seulement aux juges de la Cour, il appartient également au Parlement européen. Et il nous appartient de le faire savoir au Parlement européen et à la Commission qu'une règle, et surtout l'Europe qui se prétend détentrice, protectrice des règles, protectrice des droits de l'homme, qu'elle a l'obligation de se conformer à l'arrêté de la Cour, qu'elle a l'obligation de le faire non seulement dans le cas du Maroc, mais dans toutes ses relations avec les pays tiers. Vous avez estimé que de nombreux indices laissent penser que la Commission européenne essaye, de concert avec le Maroc, de contourner l'arrêt de la Cour. Quels sont ces indices, M. Galland? Mais oui, c'est ce que je vous dis. C'est aujourd'hui, la Commission est empêtrée dans une situation qui lui échappe un peu. C'est que les juges n'ont pas encore, évidemment, prononcé d'arrêt. L'arrêt précédent, celui du mois de décembre 2016, était déjà extrêmement clair en lui-même. Le Sahara occidental ne fait pas partie de l'entité géographique internationalement reconnue, le Maroc. Ses frontières s'arrêtent où commence le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole. Et le Maroc, aujourd'hui, ne peut donc plus exporter des produits en provenance du Sahara occidental ou des pêches qui sont pratiquées au Sahara occidental sur les zones de pêche du Sahara occidental, ne peut plus les exporter vers l'Europe et bénéficier des avantages que l'Europe accorde aux produits en provenance du Maroc. C'est des subventions, c'est des paiements qu'on fait. Eh bien, la Cour a dit il est exclu que ces produits puissent bénéficier de cet accord-là. Et si accord il doit y avoir, eh bien ce sera avec le représentant du peuple du Sahara occidental, non pas avec la population, comme tente de dire la Commission, parce qu'elle tente d'esquiver en disant « mais oui, mais nos accords bénéficient à la population ». Mais la population, c'est la population des occupants. Ce sont les Marocains qui sont là et qui bénéficient de ces accords-là. Et donc, là aussi, le tribunal vient de clairement dire il s'agit bien d'un peuple. Un peuple, ça veut dire que c'est une entité politique indépendante. Et je pense donc que notre rôle en tant que mouvement de solidarité avec les droits inaliénables du peuple sahraoui, c'est bien de faire comprendre à la Commission qu'elle ne peut échapper à ses obligations. Et je vous dis, la Commission essaye d'escamoter. Et pendant ce temps-là, eh bien, nous gagnons du terrain, puisque après l'arrêt de la Cour de 2016, on attend aujourd'hui un nouvel arrêt sur base de l'avis de l'avocat général. Et comme l'avis de l'avocat général est tellement clair, je vois mal comment la Cour pourrait essayer de dire le contraire de ce que dit son avocat général.
Et d'autre part, il se fait que déjà en Europe, des gouvernements prennent des mesures pour informer leurs entreprises qui exportent vers le Maroc ou qui importent depuis le Maroc qu'elles doivent se conformer à l'arrêt de la Cour de justice européenne. Donc il y a déjà des États membres de l'Union qui ont pris acte de cette décision, de cet arrêt de la Cour et de l'avis de l'avocat pour dire clairement qu'aujourd'hui, leurs entreprises doivent se conformer à l'arrêt. C'est ce que nous allons faire comme campagne à travers toute l'Europe, c'est qu'il faut que l'ensemble des pays européens s'alignent sur cette décision. Et il faut savoir que l'avis est tout à fait, l'arrêt et l'avis de l'avocat sont aussi valables pour la juridiction européenne que pour les juridictions des pays membres. Et ensuite, il faut ajouter une chose, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire aux gens « vous ne pouvez plus importer des produits venant du Sahara occidental », il s'agit de dire simplement ceci, les produits provenant du Sahara occidental sont des produits qui appartiennent au peuple du Sahara occidental, représentés par le Front Polisario. Et c'est là que l'avis de l'avocat général du 8 janvier précise également les choses. Et donc, on ne dit pas aux pêcheurs espagnols, vous ne pouvez plus pêcher sur les côtes sahraouies, mais vous ne pouvez plus pêcher dans le cadre de l'accord actuel sans rétribuer le peuple et son représentant, c'est-à-dire l'État, la République arabe sahraouie démocratique. C'est une avancée extrêmement claire, avancée qui est pas seulement utile pour les pays européens, mais vous savez comme moi que déjà d'autres pays, notamment l'Afrique du Sud récemment, a arraisonné un bateau transportant des phosphates et que ces phosphates ont été arrêtés au sein des eaux territoriales sud-africaines du fait même que ces produits n'appartenaient pas au Maroc. Et donc aujourd'hui, une jurisprudence est en train de se construire petit à petit et je vois mal comment l'Europe va pouvoir y échapper. Merci, Monsieur Pierre Galland. Je rappelle que vous êtes président du mouvement international de solidarité avec le peuple sahraoui. Je reviens à vous, Monsieur Mohamed Ould Salek. Ironie du sort, cette nouvelle négociation entre la Commission européenne et Rabat intervient quelques mois seulement après le cinquième sommet de partenariat Union africaine-Union européenne qui s'est tenu à Abidjan et auquel la RASD a participé. Effectivement, l'Union européenne entretient une coopération et une relation importante avec l'Union africaine. Les manœuvres du Maroc soutenues par la France n'ont pas empêché la tenue de ce cinquième sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine à Abidjan. Il s'agit là d'un message très fort de l'Afrique vers l'Europe et surtout vers Paris pour dire que la RASD est là et les membres à part entière de l'Union africaine au même titre que les autres États, y compris le Maroc. C'est vrai que c'est la première fois que la délégation sahraoui présidée par le président Brahim Ghali était côté à côté avec le roi du Maroc, M. Macron, président français, et M. Rajoy, président du gouvernement espagnol. C'est une première, c'est vrai. C'est démontrer que la question sahraoui avance sur la scène internationale et que la République sahraoui est une réalité incontournable. Et le Maroc et la France doivent tirer la conclusion de cette réalité. Cela aussi démontre que la République sahraoui et le Maroc peuvent coexister pacifiquement. Il est nécessaire que les amis du Maroc, surtout la France, doivent conseiller au roi Mohamed VI et son gouvernement de respecter les frontières et de respecter leurs voisins. Il se trouve aussi que c'est la France et l'Espagne qui ont délimité les frontières de notre pays avec le Maroc. Cette politique de deux poids, deux mesures ne sert pas les intérêts stratégiques de la France, nous considérons. La France intervient militairement. Par exemple, au Mali, c'est une bonne chose, nous avons soutenu cela dans le cadre de l'Union africaine pour justement aider le Mali à conserver son intégrité territoriale. Nous voyons mal que la France fait le contraire
au Sahara occidental contre la République sahraoui, mais non pas seulement contre la République sahraoui, mais contre tous les pays africains. Dès le moment qu'on touche aux frontières existantes, dans n'importe quel point, dans n'importe quel coin de l'Afrique, cela porte préjudice aux intérêts stratégiques de l'Afrique. Aussi, certains parmi nous qui ont étudié en France ont appris que la France était la terre des droits de l'homme, de la liberté. La France a envoyé ses avions et ses militaires pour faire respecter la démocratie et pour imposer le respect des droits de l'homme, alors que dans le cas du Sahara occidental, dans le cas du conflit entre nous et le Maroc, la France fait le contraire au Conseil de sécurité, parce qu'il refuse que la MINURSO se charge de la surveillance des droits de l'homme. Donc cette politique de deux poids deux mesures porte préjudice à un pays grand, un pays, la France est un pays important. Et nous considérons qu'il a un autre rôle à jouer, aider les pays maghrébins, et notamment la République sahraoui et le Maroc, à retrouver la paix sur la base de la justice. C'est une grande injustice commise contre le peuple sahraoui par la France. Et c'est très étonnant de voir une classe politique française soutenir le Maroc dans une entreprise coloniale, dans une aventure qui, d'un côté, portera préjudice à la stabilité du Maroc et porte préjudice aujourd'hui au peuple marocain. Le peuple marocain est encore plus pauvre qu'il était avant l'agression, depuis 1975. Le Maroc se trouve aujourd'hui derrière beaucoup de pays, je dirais à la queue, dans le cadre de développement humain. Et selon les statistiques et les analyses et les rapports des Nations Unies, de la Banque mondiale et même de l'Union européenne, la situation sociale et économique au Maroc est explosive. La continuité de l'aventure contre notre peuple ne peut qu'être préjudice au Maroc et ses amis. Si la France, avec laquelle nous partageons le souci de la stabilité, de la paix dans la région et surtout la stabilité du Maroc, nous sommes disposés à aider à la stabilité du Maroc et avoir une paix durable, cela passerait par le respect des frontières de la République sahraoui et les droits du peuple sahraoui, l'autonomie et l'indépendance. Maintenant, M. Oulselek, sur un plan un peu plus large, onusien, plus exactement, notamment avec le nouvel envoyé du secrétaire des Nations Unies en la personne de M. Kohler. Comment se présentent les choses? Le président Horst Kohler est mandaté par le secrétaire général des Nations Unies en tant qu'envoyé personnel pour débloquer la situation de blocage, la situation qui se trouve aujourd'hui à un point mort pratiquement, parce que le Maroc bloque tous les efforts des Nations Unies visant la décolonisation du Sahara occidental. Le gouvernement sahraoui, le Front Polisario, ont reçu M. Kohler lors de sa dernière visite dans la région. Nous l'avons confirmé notre volonté de coopérer avec les Nations Unies, comme nous l'avons toujours fait, pour que les Nations Unies terminent leur mandat pour que la mission des Nations Unies, le MINURSO, arrive à terme de son mandat et exécute le mandat qui est la sienne. La MINURSO est venue pour l'organisation du référendum, mais ce référendum est bloqué depuis maintenant 26 ans. Il y a deux options, il y a deux voies. La première est que, conformément à la décision des chefs d'État africains, la République sahraoui et le Maroc négocient pour qu'il y ait la paix. Nous pouvons arriver à un accord où le Maroc mette fin à son occupation. Et nous pouvons donc tourner la page d'une guerre d'agression, d'une guerre injuste contre notre pays, et voir quelles sont les relations économiques, sécuritaires et autres avec le Maroc et avec nos pays voisins. Et cela est bénéfique pour le Maghreb,
parce que nous considérons que la construction maghrébine ne peut se faire, le grand Maghreb ne peut pas se faire sur les décombres d'un peuple qui compose l'une des composantes du Maghreb. Notre voie serait la satisfaction des droits du peuple saharaoui à l'autonomisation et à l'indépendance à travers une opération démocratique déjà prévue par les Nations Unies et l'Organisation de l'Unité africaine et acceptée par les deux parties. La solution pacifique, mutuellement acceptable, est déjà signée entre nous et le Maroc à travers le plan de règlement que le Maroc essaie de renouer aujourd'hui, essaie de se dissocier. Cette aventure marocaine de renier tous les engagements, de piétiner toutes les résolutions des Nations Unies et de la communauté internationale, de persister dans cette entreprise coloniale, porte préjudice aux intérêts même du Maroc, à sa stabilité et à la paix. Nous considérons que M. Kohler doit convaincre d'abord au Conseil de sécurité un pays qui bloque, à savoir la France. Et nous considérons que la balle est dans le camp du Conseil de sécurité, malheureusement. Le Conseil de sécurité, qui supervise le travail de la MINURSO sur le terrain, n'a pas mis la pression nécessaire sur le Maroc pour respecter ses propres engagements. Si le Conseil de sécurité fait pression sur les deux parties, et notamment sur la partie qui bloque, à savoir le Maroc, on n'en est pas là aujourd'hui. Mais au lieu de faire la paix, au lieu de contribuer à la paix et d'être le faiseur de la paix, le Conseil de sécurité est devenu partie du problème dès le moment que son travail, son action est bloqué de l'intérieur par un pays, à savoir la France. Monsieur Oulsalik, on reviendra à vous dans quelques instants, mais on me dit que nous avons Monsieur Esteban Silva, qui est ancien sénateur chilien. Il est avec nous en direct. Depuis le Chili, Monsieur Esteban Silva, bonjour en raison du décalage horaire. Merci d'être avec nous donc à Question d'Actu. Alors, Monsieur Esteban Silva, on parlait du rôle de la communauté internationale dans la question sahraoui. D'après vous, quels sont les moyens déployés maintenant par cette communauté internationale pour faire plier le Maroc et le contraindre à respecter le droit international concernant une question de décolonisation, la dernière décolonisation, question de colonialisme ou colonisation sur le territoire africain, vous qui avez connu de très près les mouvements de libération en Amérique latine. Bon, d'abord, je vous salue, merci. Et je salue aussi au ministre des Affaires extérieures de la République arabe sahraoui démocratique, M. Oussalek. Je voudrais bien dire une chose d'abord. Vous avez bien évoqué qu'il s'agit, la cause sahraoui, l'indépendance du peuple sahraoui, la autodétermination en plein siècle, 21 siècle. Et il s'agit d'un sujet de décolonisation, il s'agit d'un peuple qui est dominé maintenant et occupé de façon illégale sur les droits internationaux, complètement en contradiction avec les droits internationaux, par un royaume comme le Maroc. Et quand les pays africains et les peuples de l'Asie et les peuples africains depuis Vendôme, non, depuis 1955, quand ils ont exprimé jusqu'à aujourd'hui leur volonté de reconstruire le système mondial sur la base de la reconnaissance des droits des nations jusqu'à là dominés, on n'aurait jamais imaginé qu'aujourd'hui, après toutes les années qui sont passées, après que la plupart des pays africains ils sont conquis leur indépendance, ils se sont battus pour les droits à la autodétermination en lutte avec les peuples qui les sont colonisés, aujourd'hui encore, il reste le peuple sahraoui qui réclame
de façon juste son indépendance et le départ des les colonisateurs qui l'a fait sous la force, qui a fait sous la force le qui a pris son territoire. Donc, pour nous les Latino-Américains, la lutte du peuple sahraoui, c'est très 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 important parce que est une lutte qui est au cœur de notre lutte aussi pour l'indépendance. Vous savez, nous avons combattu tous les pays latino-américains ensemble, Bolivar, O'Higgins, San Martin et tout ce qu'on appelle, nous on appelons les libertateurs, pour échasser les colonisateurs espagnols. Et c'est incroyable aujourd'hui que la situation qui affecte au peuple sahraoui, qui s'est battu pour leur indépendance, parce qu'il y a aussi un droit international que Maroc, il nie, il essaye de bloquer, d'accomplir les accords sous le référendum pour la autodétermination du peuple sahraoui. Donc, d'abord, il faut pressionner les États, mais aussi les peuples, pour que la légalité internationale puisse vraiment voir le jour sur la situation du peuple sahraoui. Mais aussi, j'évoquais tout à l'heure Vendôme, qui était à l'origine des luttes des peuples pour la décolonisation, notamment dans les siècles 20. Et la lutte du peuple sahraoui aujourd'hui se trouve au cœur même, dans les institutions à niveau international, mais au cœur même de l'Afrique. Parce que la RAF est un État membre de l'Union africaine, et l'Union africaine a accepté dernièrement au Maroc, qui a accepté les frontières établies par l'Union africaine et la charte des constituants de l'Union africaine. Donc aujourd'hui, c'est aussi l'Union africaine, avec les organisations d'intégration latino-américaine, notamment l'UNASUR et la CELAC, et tout et l'institutionnalité qui cherche l'intégration sous le respect de droit international, qui doit veiller pour la indépendance et pour l'accomplissement de les accords de la paix et les accords internationaux sous le référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. C'est vrai que si Maroc veut sortir, laisser le territoire qui appartient au Sahraoui, ça sera beaucoup mieux. Si l'ambassadeur comprend que ce n'est pas possible aujourd'hui soumettre au peuple sahraoui, ça sera beaucoup mieux. Mais sinon, il faut absolument que Maroc tienne sa parole, qu'il déjà l'a mis sur la table des négociations, ça fait déjà des années, et qu'il essaye encore, malheureusement, de bloquer les accords de paix et les accords internationaux sur le référendum d'autodétermination. Donc, je pense, pour nous les Latino-Américains, et pour tous les gens et les femmes qui nous aimons la liberté, l'indépendance et aussi le respect du droit international, la cause sahraoui, la situation qui souffre le peuple sahraoui, c'est urgent l'accomplissement des accords internationaux. Parce que sinon, ça veut dire que l'institutionnalité, la nouvelle mondialisation basée sur les droits de la autodétermination des peuples, c'est pas vrai. Et donc, dans ce sens-là, c'est très important d'abord faire conscience, deuxièmement, briser les silences qu'il y a sur la situation du Sahara occidental à niveau des grands moyens de communication mondiales, et aussi faire appel aux anciennes puissances coloniales, notamment comme la France, qui c'est un pays qui même qui essaye de proclamer la égalité, la fraternité, etc., sur le plan international, est tout à fait complice du Maroc. Il bloque, il fait partie des problèmes et pas de la solution de la situation aujourd'hui qui affecte au peuple sahraoui des dominations et des colonisations par la force de la part du royaume marocain.
Merci, monsieur Esteban Silva, monsieur le sénateur. Donc, je rappelle, vous nous appelez du Chili. Reviens à vous, monsieur Mohamed Ould Salek. Peut-être un dernier mot, comme le temps qui nous est imparti pour l'émission touche à sa fin. On vous laissera donc clore cet entretien. Tout d'abord, je voudrais remercier et mes amis, aussi bien l'honorable député Lecoq, vos invités, M. Pierre Galland et Esteban Silva. Et je dirais que le combat du peuple saharaui va continuer. C'est un combat pour la paix. Nous croyons fermement à la cause de notre peuple et nous espérons que le Maroc revienne à la raison. Il va de l'intérêt et du Maroc et du peuple sahraoui. Et nous n'avons pas de haine ni de. Nous n'avons rien contre le peuple marocain. Le gouvernement marocain, le palais royal marocain a envahi notre pays. Nous espérons que les Marocains s'associent au peuple sahraoui pour faire arrêter cette injustice commise contre notre peuple. La communauté internationale, aussi bien l'Union africaine que les Nations unies, ont une grande responsabilité. Nous avons donné le temps au temps. Nous avons donné la possibilité aux Nations unies et à l'Union africaine de travailler pour la paix. Et nous avons signé un accord sous leurs auspices. Ils sont les garants. Il faut que les souffrances du peuple sahraoui trouvent leur fin très rapidement. Les Sahraouis sont décidés à continuer leur combat. Ils sont sacrifiés pour beaucoup de martyrs, des milliers de disparus. Mais plus que jamais, les Sahraouis sont unanimes pour arracher leur indépendance, pour défendre leur souveraineté. Ils feront tout pour défendre leur intégrité territoriale pour leur indépendance. Merci, Monsieur Mohamed Salem Ould Salek. Je rappelle, vous êtes ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui et démocratique. Merci également à Monsieur Pierre Galland, président du Mouvement international de solidarité avec le peuple sahraoui, Monsieur Jean-Paul Lecoq, député à l'Assemblée nationale française, et le sénateur Esteban Silva, ancien sénateur chilien. Ils étaient avec nous en direct via le téléphone. Merci à vous également, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau thème de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.